Aujourd'hui, je vais vous parler du prompt engineering avec TypeScript. Ça fait bizarre, ça fait beaucoup de mots-clés. On dirait que je suis en train de postuler, je sais pas, chez OpenAI. Mais c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'on a découverts en essayant de créer un assistant. Et je vais vous montrer ça. Bah, premièrement, je devais vous parler d'Algolia, mais j'ai vu que tout le monde connaît Algolia. Et bah, je vous dis un tout petit peu encore. Donc, nous, on fournit des API vers lesquelles vous poussez vos données et on vous offre la recherche. Pas offrir, on la vend, mais c'est un peu ça. Vous poussez les données et on vous donne tout ce qu'il faut pour faire une superbe recherche. J'aimerais savoir, est-ce que quelqu'un qui d'entre vous a déjà vu ces barres de recherche-là? Ok, presque tout le monde. Donc, j'avais un autre slide pour ça. Si vous n'avez pas vu l'autre, vous avez sûrement vu celle-là. Donc, ça, c'est Algolia qui tourne derrière. Et c'est derrière un service qu'on fournit qui s'appelle DocSearch. Et ce service-là, il est gratuit pour les documentations et les blocs techniques. Et bah, aujourd'hui, on l'a ouvert pour plus de monde que ça. Donc, même vous, si vous avez un blog que vous aimeriez sur lequel vous aimeriez rajouter DocSearch, on pourrait le faire. Vous postulez et on voit, on vous donne la recherche d'Algolia gratuite. Donc, en gros, c'est un service qui vous permet de chercher dans vos données. Donc, j'aimerais rentrer un tout petit peu dans ce sujet parce que ça me permet de vous donner le contexte. Ça fait déjà beaucoup de publicité pour Algolia. Et on n'a toujours pas parlé du TypeScript derrière. Donc, en gros, DocSearch, il est la technologie qui tourne derrière DocSearch, c'est juste un crawler. On dit juste un crawler, mais c'est un crawler très puissant. Et c'est le crawler d'Algolia. En gros, c'est un produit d'Algolia qui n'est pas très connu du public parce que ça se vend aux clients généralement directement. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le processus de l'ouvrir à tout le monde. Donc, le crawler, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il vous permet d'aller sur un site web et de prendre tout ce que vous souhaitez prendre comme données dans ce site web et le mettre dans Algolia. C'est tout ce qu'il fait. Il n'y a pas de magie, c'est un crawler comme tous les autres. Donc, pourquoi je vous parle du crawler aujourd'hui? Premièrement, parce que parce que je bosse dessus, premièrement, et aussi, deuxièmement, parce que c'est entièrement conçu en TypeScript. Ça ne se voit pas. Généralement, on sait que les crawlers sont conçus avec Python parce qu'il y a Beautiful Soup, enfin, tout ce qu'il y a dans Python. Mais aujourd'hui, c'est entièrement conçu sur TypeScript. Ça scale à plus de 3 millions de crawls par semaine. Donc, vous pouvez imaginer à quel point ça sert les utilisateurs. On a plusieurs clients qui tournent sur le crawler, ceux que vous connaissez déjà dans DocSearch. Il y a OpenAI qui n'ont pas affiché DocSearch, ils sont passés directement par Algolia. Mais on tourne sur le site de OpenAI, Next.js, Washington Post et beaucoup d'autres sites web comme ça. Donc, je vais vous faire une petite démo du crawler parce que je sais que ce n'est pas un produit super connu des devs. Généralement, si vous avez déjà demandé l'accès à DocSearch, normalement, vous devriez l'avoir vu, mais je vais encore le montrer. Donc, en gros, j'ai ce site web, 101 Cookbooks. C'est juste un site qui contient tellement de recettes disponibles. Donc, il y a plein de recettes là. Et ici, j'ai un crawler. J'ai déjà créé le crawler. Ça prend quoi, 10 secondes pour créer un crawler. Il suffit de mettre le nom et mettre le site que vous aimeriez crawler. Et puis c'est tout. Bon, premièrement, donc là, j'aimerais crawler le site de 101 Cookbooks. Ben, je lance le crawler, je l'avais déjà fait, c'est pour ça qu'il affiche Restart. Donc il va sur le site, il prend des données et il le met dans Algolia. On se demande, mais comment il fait ça? Ben, derrière, c'est un crawler qui tourne et qui suit une configuration que vous avez prédéfinie. Je parle de ça pendant une conférence TypeScript parce que on a cet outil derrière le crawler. Ça permet à n'importe qui de paramétrer son crawler
Et aussi, il est complètement TypeScript compatible. Donc, on a l'autocomplétion avec TypeScript. On peut rajouter, je vais prendre ça. Et on a l'autocomplétion. Donc, en gros, c'est un IDE dans le produit qui nous permet de configurer notre crawler. On a plein de petits outils pour pouvoir déboguer au cas où ça ne marche pas. On peut tester des sites, des liens qui n'ont pas. Bon, il faudrait que j'écrive tout le nom du lien. Mais en gros, on peut tester pour voir ce qu'on est capable de récupérer dans ce site web-là. En bas, là, on a un truc qui s'appelle le Recall Extractor. Il contient beaucoup d'informations, parmi lesquelles. Bon, en gros, ça, c'est ce que le crawler prend sur votre site pour envoyer vers Algolia. Il y a beaucoup de code, il y a Cheerio qui nous permet de récupérer les tags, les éléments dans le site web. Bon, on a accès à l'URL, ça devient notre ID parce que généralement, on crawle une URL et il y a plein de données dedans. C'est ce qui tourne derrière DocSearch qui crawle plus de 1 million de pages par semaine. Et en bas, on a des settings pour Algolia, c'est-à-dire on propose de search le titre, search sur les keywords et tout. Donc, on a la possibilité de faire tout ça à ce moment-là. Et dès que les données vont sur Algolia, ils sont directement indexés et vous pouvez rechercher. Yes. Bah, j'ai rien enregistré, je pourrais enregistrer. En gros, là, le crawl est fini et on a un monitoring, on peut voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On peut voir chaque site, comment ça s'est comporté pendant le crawl. C'est bien beau tout ça, mais on s'est toujours demandé comment faire plus que ça. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de problèmes avec le crawler actuel. Ce n'est pas beaucoup de problèmes, mais c'est surtout des problèmes de support. Premièrement, c'est les gens qui l'utilisent ne sont pas forcément des devs. Même si ce sont des devs, ils ont beaucoup de choses à apprendre. Les attributs qui sont pris par le crawler. Généralement, si tu connais TypeScript, tu sais que tu vas rentrer dans la config, tu fais contrôle espace, tu as une complétion et c'est bon. Mais pour tout le monde, monsieur tout le monde, il ne sait pas ça et il n'a pas de possibilité de crawler. Donc, le crawler, il génère beaucoup de support. Pourquoi beaucoup de support? Parce que à l'intérieur du crawler, on a beaucoup de librairies qu'on utilise, des sous-librairies. Par exemple, ce crawler-là, il a la possibilité d'aller à une fréquence prédéfinie chercher des données. Vous pouvez lui dire tous les 3 jours, va me prendre telle donnée dans mon site web, et il le fait. Pourquoi c'est compliqué? Parce que dire au crawler que tous les 3 jours, ce n'est pas aussi simple que d'écrire tous les 3 jours. Il y a une syntaxe à respecter. C'est la syntaxe donnée par Letter.js qui est une vieille librairie qui n'est pas super connue, donc ce n'est pas facile pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé à faire? Nous sommes en 2024, tout le monde parle de l'IA, donc il fallait que je parle de l'IA. Donc, on a pensé à rajouter un assistant à ce crawler-là. Je vais vous montrer la démo directement. Il tourne sur ma machine, donc ça pourrait être un peu plus lent, mais je vais essayer de faire vite. Donc là, je crée un crawler. Il est créé. Je vais dans l'éditeur. Dans l'éditeur, on a ce petit truc qui correspond à l'assistant. C'est tout ce qu'on connaît tous, ChatGPT, l'assistant. Je vais juste lui demander de crawler mon site tous les 4 jours. Ah, je le fais. Crawling, on peut l'écrire en français aussi, hein. Every 4 days. Donc, il est entraîné pour ça, il répond et il modifie la configuration. Vous avez la possibilité de l'accepter, refuser ou ce que vous voulez. Je l'accepte parce que c'est correct et puis je peux l'enregistrer. Et c'est bon. Vous voyez, il a rajouté un schedule pour tous les 4 jours. Et il a entraîné sur tout. Donc, on a la possibilité de faire presque tout ce qu'on veut. Ça reste une IA. Parfois, il hallucine, mais généralement, on peut faire ce qu'on veut.
Donc là, je vais faire une petite tâche qui vient très souvent dans le support. Bon, déjà, celle que j'ai faite, c'est celle la plus demandée. J'aimerais changer ma fréquence, comment je peux faire. Bon, là, je vais lui demander d'aller sur le site et prendre un subtitle qui est dans l'élément H3. I would like to get my subtitles under the first element H3. The first, parce que ça, c'est un peu plus compliqué. La syntaxe utilisée, c'est Cheerio, c'est pas jQuery. Donc, même nous, je dirais, on aurait besoin d'aller sur la doc pour le faire. Donc, vous voyez, là, il le fait et il propose. Donc, H3 first. Et on a la possibilité de prendre les subtitles. J'accepte. Puis c'est bon. Hein. Ouais. Donc, c'est ça le crawler, l'assistant du crawler, le copilote. Maintenant, j'aimerais vous dire comment est-ce qu'on l'a conçu. Parce que pour moi, c'est très intéressant. Premièrement, on a des critères qu'on recherche chez un assistant. Par exemple, si je cherche à être assisté, qu'est-ce que je veux de la personne qui est en face? Premièrement, qu'il soit bienveillant. Deuxièmement, qu'il sache ce qu'il me dit, qu'il ne me dise pas n'importe quoi. Et aussi, j'aimerais des réponses super cohérentes. Sinon, je ne pourrais pas comprendre. Donc, comment entraîner ce type d'IA? Bon, je vous explique déjà ce que ça veut dire à entraîner une IA. Je me dis que certains d'entre vous connaissent. Pour entraîner une IA, on peut soit complètement la construire, ça prend super beaucoup de temps. On peut fine-tune, rajouter des données. Mais ce qui est le plus utilisé, c'est le prompt. C'est ce qu'on fait avec ChatGPT. Lui donner des instructions et il suit. Donc, ce que nous, on fait ici, c'est on dit exactement à l'assistant ce qu'on attend de lui. Et c'est ce qu'il fera quand il sera demandé de faire quelque chose. Donc la première approche, l'approche naïve, c'est ce qu'on a tous fait généralement dans le chat GPT. Dans notre cas, c'est on lui donne des pré-instructions, c'est-à-dire on lui dit, tu es un assistant Algolia, on aimerait que tu sois gentil, pas de gros mots. Si on te pose une question que tu n'aimes pas, tu dis, je ne sais pas. La deuxième chose, c'est on prend toute la documentation du crawler. On lui donne. Vous pouvez imaginer, il y a beaucoup de choses dans la documentation. Ça seulement, c'est environ 7000 lignes de documentation. Et en troisième position, dans la doc, on lui donne des exemples. Donc, il y a déjà des exemples dans la doc. Ça, c'était un peu plus facile pour moi de le faire parce que mon équipe et moi, nous travaillons à ce moment-là sur la nouvelle version de la doc. Donc, on avait des fichiers en texte. On pouvait juste prendre du texte et le mettre dans le prompt. Et ça donne un prompt qui ressemble au carré que vous voyez là. Généralement, quelque chose comme ça, c'est difficile à comprendre pour une IA. Donc, il faudrait optimiser. Les points faibles de ce qu'on a vu là tout à l'heure, c'est qu'il est bienveillant, ce qu'on lui a dit de l'être. Mais généralement, il ne sait pas grand-chose parce qu'on lui a donné trop de choses. Donc, il n'arrive pas à vous dire quoi faire. Et vous imaginez bien si je dois changer un truc dans la doc, il faudrait que je revienne dans le prompt pour le changer à chaque fois. Et c'est tellement long. Aussi, le coût de la réponse est super élevé parce que une IA comme ChatGPT, enfin comme GPT-4, il vend le pricing, c'est par token, par caractère utilisé, en réponse et en entrée. Du coup, ça coûte super cher de lui donner toute la doc du crawler. Et même pour lui, il n'arrive pas à répondre. Du coup, en gros, ça nous coûte juste super cher. Et puis, il n'est pas cohérent parce que toutes les informations sont mises au même endroit. Du coup, il est juste embrouillé. Donc, une approche plus optimisée serait de séparer les exemples de la documentation. Ça revient à prendre le texte, le mettre. Ensuite, on met des exemples en bas et on lui dit, suis ces exemples pour répondre à ce qui est posé. Ça pose toujours problème parce que ça reste difficile à maintenir. Le coût de la réponse est super élevé et il n'est pas toujours cohérent parce que les exemples sont tout en bas. Du coup, ce qui retient, c'est généralement la fin du prompt. C'est une optimisation faite par les concepteurs du modèle. Donc, à ce moment-là, j'ai vu ce documentaire que je pense que vous avez tous vu, possiblement. C'est le documentaire TypeScript Origins. Il y a Matt Pocock qui dit, TypeScript, ce n'est pas juste un langage, c'est aussi de la documentation. Du coup,
ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai pris exactement le config TS du configurateur du crawler que vous avez vu qui nous servait à faire de l'autocomplétion. Je l'ai mis dans le prompt et ça a marché super bien. Pourquoi ça marche super bien? Parce que c'est structuré et dans le TypeScript, il y a exactement tout ce qu'il faut pour écrire la configuration telle que vous aimeriez l'écrire. Aussi, bah, je vais vous montrer le prompt parce que c'est mieux vu visuel, enfin, de cette façon-là. Et aussi, il est super cohérent parce qu'à l'intérieur du prompt, on a des exemples, on a des liens vers la documentation qui rend le tout super clair, quoi. Donc, je vous montre ça. Donc, ici, on a la config TS qui est utilisée derrière le configurateur du crawler. Bah, quand je descends, déjà, je compte environ 700, disons 750, 800 lignes. Et comme vous pouvez le voir ici, on a des sous, enfin, on a des attributs expliqués. Ça, c'est toute une doc pour un dev, pour vous. Si on vous donne ça, vous pouvez écrire le crawler. Vous pouvez écrire n'importe quelle configuration parce que vous savez exactement ce que ça fait. Vous imaginez encore pour une IA qui a déjà des connaissances avant ça, par exemple des connaissances sur Letter.js, qui est la librairie utilisée pour écrire le système des fréquences, c'est encore plus facile pour lui parce qu'il sait déjà. Et là, on a la possibilité de réduire le nombre de tokens de diviser par 10, quoi, par un facteur de 10. Parce que si je prends le prompt, je vous montre le prompt. Bah, ici, je lui dis, vous êtes un assistant Algolia, essaye juste de me répondre de façon structurée à chaque fois. Maintenant, en bas, j'ai la doc du crawler d'Algolia. C'est ça, là. Et là, c'est même simplifié. C'est un résumé de cette doc. Donc déjà avec ça, il y a trop de choses. Maintenant, imaginez, vous lui donnez juste ça, du TypeScript, et on va encore plus loin. On n'a même pas à l'écrire là. Il suffit d'importer le texte qui vient du fichier config.d.ts dans le prompt à chaque fois et ça marche. Donc c'est encore super facile à maintenir parce qu'à chaque fois qu'on change le config, ça change le prompt. Donc l'assistant apprend à chaque fois qu'on déploie. Ouais. En gros, c'est ça. Pour moi, je dirais que c'est une utilisation magique de TypeScript. Et je sais que l'exemple, c'est un peu trop niche parce que ce n'est pas ce que n'importe qui ferait ou alors il n'y a pas ce besoin n'importe où. Mais pour moi, c'était une preuve que, il faut parfois sortir de sa zone de confort, quoi. Parce que j'ai jamais utilisé ces IA et tout ça. J'ai voulu construire ce truc. Je ne suis pas sûr que quelqu'un qui bosse dans les prompt engineering, il aurait eu cette idée de cette façon-là. Donc moi, je vous encourage tous à toujours aller pousser vers des domaines que vous ne connaissez pas toujours parce que ce que vous connaissiez avant, la connaissance que vous avez avant, peut vous permettre d'innover dans ces domaines-là. Et ce sera tout pour moi. Aussi avant d'applaudir, on est en train de lancer le crawler en bêta, en self-serve. Ça sera disponible pour tout le monde. C'est plus avant, Algolia vendait le crawler à des clients particuliers. C'était un peu plus compliqué. Mais maintenant, il suffit de remplir ce formulaire et vous aurez accès au crawler. Vous pouvez le mettre sur votre site. Et il y a un pricing derrière. Ce n'est pas super cher. C'est super bien pour une utilisation simple. Et je vous encourage tous à faire ça. Merci.